Salut mon pote, si tu kiffes mon contenu, tu peux tout simplement t'abonner à ma chaîne YouTube et activer les notifications pour ne louper aucune de mes dernières vidéos. Et tu peux lâcher un pouce bleu pour m'encourager à continuer. Salut mec, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu passes de bonnes vacances, moi ça super. Aujourd'hui les gars, on se trouve pour une nouvelle vidéo sur Clash of Clans, donc cette fois-ci sur Golemland. Donc Golemland, c'est un serveur privé. J'avais déjà parlé de ce serveur privé dans une ancienne vidéo. Donc l'ancienne vidéo, c'était le meilleur serveur privé Clash of Clans en 2017. Donc si vous voulez installer ce serveur privé, donc dans la description de cette vidéo, il y aura le lien du site officiel de ce serveur privé. Donc vous vous rendez sur le site. Ensuite vous allez dans l'onglet téléchargement, puis après vous téléchargez, c'est super simple. Donc après vous vous retrouvez avec un fichier APK, et du coup vous pouvez l'installer soit sur votre Android ou soit sur un émulateur Android comme moi. Le petit point négatif, c'est qu'il n'est pas fait encore pour iOS, et je pense qu'il ne sera jamais fait pour iOS parce que c'est plus compliqué à créer je crois. Donc voilà, mais après quasiment tout le monde a un PC, et puis après c'est facile d'installer un émulateur, donc je me fais pas de soucis pour ça. Après, que dire de plus? Le créateur de ce serveur privé, il s'appelle Juro Clash of Clans. Donc il a une chaîne YouTube, je mettrai sa chaîne YouTube dans la description, n'hésitez pas à aller checker. Il fait des vidéos, des mises à jour serveur privé, il a aussi fait un serveur privé Clash Royale, donc je ferai des prochaines vidéos sur serveur privé. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker, voilà, pour vous informer des serveurs privés, des mises à jour, tout ça, c'est cool. Et c'est cool, voilà les gars, donc j'ai tout dit. On va pouvoir maintenant s'amuser sur le serveur privé. Petit truc, petite annonce avant de commencer. Comme vous pouvez le voir, il y a un avion, entre guillemets, voilà, il y a un avion échoué sur la plage. Donc Juro, le créateur, m'a dit que demain il faisait la mise à jour. Enfin, il faisait une mise à jour de son serveur privé pour faire un peu comme le bateau. Donc ça sera un avion apparemment. Donc voilà, un avion sur ce serveur privé, ça change, hein, ça, c'est vrai que c'est pas, c'est pratique aussi, c'est plus rapide qu'un bateau. Je suis pour. Donc ce qu'on va faire dans cette vidéo les gars, on va s'amuser avec les troupes. Donc vous pouvez voir là, j'ai mis 4 casernes noires, elles sont stylées, c'est lui qui a fait le design, donc en bleu c'est vraiment cool. Donc on va aller voir ce qu'on a formé. Donc il a rajouté, déjà on peut former tous les héros qu'on veut, des villageois, enfin des ouvriers, voilà. Et il a fait ça les gars, voilà, donc on peut attaquer avec plein de machines de combat. Donc on va former quelques machines de combat, on va en former, allez, on va en former 102, hop, on gemme. Ensuite ça c'est quoi? Ah mince, oui il y a quelques troupes, quand on clique sur information, je sais pas pourquoi, ça ferme le jeu. Donc c'est pas grave, je vais le relancer et on va recommencer. Ça m'avait fait ça tout à l'heure comme bug, je sais pas, mais je pense que du coup dans la mise à jour de demain ça sera arrangé. Donc ne vous inquiétez pas. Donc on va former, voilà, on va en former 59, on va former un peu de tout là, on va former ce qu'il y a là, hop, on va former ça. Donc ça c'est la sorcière de Clash Royale, enfin du villageois, ça je ne sais pas ce que c'est, mais on va former aussi. Allez hop, on a tout gemmé, donc on se retrouve avec un petit camp, avec 3300 places, voilà, avec ça. Donc bah c'est parti, on va aller attaquer en ligne, puis après on ira dans le village des trucs. Donc là on va dézoomer, hop, nickel, donc on va pas attaquer ça, ça va être un peu quasiment easy, voilà, non, ça va être carrément trop dur. Au passage vous pouvez voir qu'il a fait des nouveaux héros, héros PK de ouf et PK héros canon. Donc voilà, donc on va pas s'attaquer ça, parce que c'est strictement impossible les gars. Allez, on va tester ça. Non, bah, pareil, non, parce qu'en fait, je viens de me rendre compte que j'avais pas formé beaucoup de troupes. En tout cas, pas assez pour défoncer ce village. Donc, on va voir ce qu'il y a d'autre. Hein. On va se balader un peu, hein, vous savez. Vous savez quoi, on va se... Non, franchement, on va se faire défoncer, les gars. C'est parti. Donc, on va commencer par mettre les méga machines. Alors c'est parti, on envoie du lourd, on va tout envoyer, on va envoyer les 102 machines, quoique finalement j'ai peut-être assez de troupes, hein, parce que 102 machines, je pense que ça va péter sa mère, donc voilà j'ai tout mis, hop on va mettre ça, donc je sais pas ce que c'est, ah d'accord c'est les canons, donc ça c'est les canons, je sais pas pourquoi ils roulent à l'envers, c'est pas grave, on va tout mettre pareil, hop, après ça je sais pas ce que c'est, donc ça c'est des villageois, donc là, des villageoises pardon. Donc attendez, vous voyez plus rien. On va mettre aussi des trucs en base. Donc ça c'est des géants coup de poing, je crois, ou un truc,
Oulala, je sais pas ce qu'ils forment, des cadeaux, des trucs. On va mettre aussi des sorcières. Oula, il y a des, ça part dans tous les sens, ça fait même laguer le truc. Donc on va foutre ça tout en bas là. Hop, on fout tout. Ah, ça fait bugger à mort. Mais c'est pas grave, on est à 78%. On va foutre des barbares, on va foutre partout. 92, 94. Et ça va être vite fait fini. En fait, on l'a fait tranquille ce village, 90% et 100%. Franchement, c'était easy. Il y a des troupes carrément cheatées. J'ai l'impression que l'espèce de géant, c'est un truc de malade. Donc on va le virer. On va le virer parce que j'aime pas. Donc on va virer tout ça. Puis là, on va se faire une attaque. On va voir ce qu'on... On va se faire une attaque dans, dans un village... dans un village de trucs là. Attendez, on a combien de temps d'enregistrement? Ok, on a 7 minutes à peu près. À peu près, je pense. Donc, on va voir ce qu'on va former cette fois-ci. Donc, qu'est-ce qu'on va former? On va se former. On va se reformer des trucs. Je sais, j'arrête pas de dire trucs ce soir, mais des machines de combat, on va mettre 50. 50. Ensuite, on va mettre. Non, on va pas mettre ça, on va mettre 50 dragons. 50 dragons. 50 dragons et on va aller maintenant s'acheter un héros. On va du coup se prendre le héros. Le héros. On va se prendre le héros comme ça. Le nouveau PK de ouf. Hop. On va se l'améliorer. On va se l'améliorer. On va se le mettre au level 5. Histoire d'avoir le sort. Hop. Level 5. Et on va avec ça, on va se prendre. Le roi des dragons, du coup, vu qu'on a mis des dragons, ça peut être pas mal. Donc là, il y a un roi des dragons. Donc, go mettre le roi des dragons. On va le mettre juste à côté. On va le mettre pareil au level 5. Au level 5, hop. Qu'est-ce que je vais vous dire? Ouais, au passage, aujourd'hui, je suis pas en facecam parce que je suis en pige. Et il est tard, mais dans une prochaine vidéo, ne vous inquiétez pas, il y aura le facecam qui va revenir. Donc voilà, par contre, j'ai pas gémé les troupes, c'est un peu embêtant. Donc là, voilà. Donc là, il y a les machines de combat qui se mettent. Les dragons, pas encore. Les dragons, ils sont mis. On imagine, ils sont mis, ils sont là-dedans. Donc c'est parti. Donc on va se prendre le meilleur village, là. On a trop l'habitude de celui-là. J'ai dans tout le temps, dans toutes les vidéos, c'est lui à chaque fois. Ah, voilà, les dragons sont arrivés au-dessus. Donc on va aller s'attaquer lui. Allez, on s'attaque lui. On va attaquer... Oula, mais j'ai beaucoup plus de troupes que d'habitude. Je ne sais pas pourquoi. Donc c'est pas grave, on va mettre les dragons. On va tout mettre, hein. On va mettre tout ça sur le côté. On va tout mettre, hein. Après, on va se mettre, hop, machine de combat derrière. On va tout mettre. Et par contre, on attaque juste avec les troupes que j'ai mis, pas avec le je sais pas quoi, là. Donc, on va faire ça. Et derrière, on met les héros. Allez, go. Go, go, go. Donc, vous voyez, là, c'est énorme. Donc, on va se mettre le sort du dragon, qui est assez badass. Puis le sort du PK, on va tout balancer, hein. En plus je crois qu'il forme des PK en même temps, donc c'est bien, c'est bon ça. Donc 68%, ok, donc on va zoomer un peu. 79, donc franchement le village est carrément écrasé, il n'y a pas d'autres mots. 93, 94, 99 et puis 100. 100 très facilement, voilà. Voilà, donc qu'est-ce qu'on pourrait se faire? On pourrait attaquer avec quoi? On va attaquer avec ça, là. Je sais pas pourquoi. On va mettre ça, on va mettre ça. Et on va mettre ça. Et on va l'attaquer vite fait avec ça, parce que je sais pas ce que c'est. Comme ça, on va découvrir ça ensemble. On va s'attaquer ce village-là. Et c'est parti, c'est parti. Donc on va mettre les trucs là. En fait ça doit être... Ah d'accord, c'est des bombeurs du villageois. Du village des villageois. Ensuite ça c'est des ouvrières. Des ouvrières. Et ça je ne sais pas ce que c'est. Ah c'est des dragons. D'accord, c'est des dragons, c'est des dragons. Ah oula, oula, oula. J'ai pas compris ce qui s'est passé. J'ai rien compris les gars. J'ai rien compris. J'ai rien compris. Franchement, le village, il était mort en 2-2. En fait, je crois que... ça, là. Attendez, on va aller voir les informations. J'espère que ça va pas faire crasher le serveur.
Non. Donc les dragons sont réputés par leur puissance. Ouais, en gros, c'est un dragon amélioré qui balance des trucs de sorcier de glace et qui tue tout en même temps. Enfin, en gros, c'est la puissance. Donc voilà, on va récolter un peu notre argent. Puis on va aller se prendre le bateau. Non, je déconne. Le bateau. L'avion. Non, je rigole. Bon, les voilà, les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'était une petite vidéo tranquille pour reprendre. En tout cas, n'hésitez pas à aller voir la chaîne de Juro, ça lui ferait super plaisir. Lâchez un commentaire, abonnez-vous, ça me ferait encore super plaisir. Moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo sur serveur privé. Si je vois que ça vous plaît, je referai le même style. Enfin, on verra tout ça. Moi, je vous laisse sur ce, je vous fais de gros bisous, les gars, et à la prochaine.